Je relis l'article d'André Barbeau, de 2012, paru dans l'Astrologue, sur la pandémie, et donc reprend Yves Lenoble. Et je note les dates qui sont avancées concernant les grandes pandémies, le sida, la grippe espagnole, etc., le Covid, 1918, 1954, 1968, 1982, 2020. Alors, il y a un grand absent dans cette date, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est assez amusant parce que c'est inspiré de l'indice cyclique, cette distribution. Puisque en 2020, il y aurait eu un affaissement de la courbe au maximum, ce qui expliquerait la pandémie du coronavirus. Mais l'embêtant, c'est qu'au départ, cette courbe de l'indice cyclique avait été élaborée par rapport aux deux guerres mondiales, et que là, Barbeau n'a pas trouvé de pandémie pour la Seconde Guerre mondiale. 1954, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a, sans le dire clairement, semble-t-il, il a changé son fusil d'épaule et il a préféré sacrifier la Seconde Guerre mondiale au profit d'une théorie de la pandémie pour une raison qu'on comprend, c'est que justement on est dans le mondial. Ce qui prend totalement le contre-pied d'ailleurs de ses travaux sur Saturne-Neptune avec l'URSS. Ce qui montre bien qu'il avait mis une croix là-dessus. L'idée que l'astrologie pouvait être polarisée sur une région est quelque chose qu'il avait abandonné dans le courant des années 60. Fin des années 60, début 70. Donc là déjà, il va dans... c'est pas un reproche, c'est un constat. Il est parti d'une théorie géographique qu'il a abandonnée. Il l'a abandonnée parce qu'il s'est aperçu que l'URSS n'était pas un si bon cheval que ça, et que ça aboutissait à des confitures, notamment en 71, mais même avant, j'ai bien rendu compte que l'URSS n'arriverait jamais à rejoindre les États-Unis. Ensuite, il est passé à un autre système autour des deux guerres mondiales. Et puis, en 2011, probablement un peu avant, il a carrément squeezé la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'année 1954 qui lui est apparue comme plus intéressante que l'année 1944. Voilà, c'est assez remarquable.